Salut, c'est Nathan pour Guitar Jump, nouvelle vidéo tuto pour le chant Nous venons dans ta présence. Alors c'est un chant qui est en tonalité de Mi et il est très intéressant parce qu'il nous permet de travailler les accords arrangés pour la tonalité de Mi majeur. J'ai fait plusieurs vidéos à ce propos pour apprendre les accords arrangés, donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos, je sais plus si ça s'affiche là ou là. Mais voilà, je vais jouer ce chant deux fois. Entre la première et la deuxième fois, je vais essayer de varier les accords pour vous donner un petit peu une multitude d'accords. Donc ces mêmes accords que je vous ai expliqués dans les vidéos correspondantes. Donc c'est parti pour le chant « Nous venons dans ta présence ». Et pour l'interprétation de ce chant, vous entendrez la voix douce et mélodieuse de Piroun qui m'accompagne pour ce chant. On va commencer avec un accord de mi basique. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. On a ensuite un accord, on est sur le degré 1, premier degré mi. On passe sur le deuxième degré, fa dièse mineur 7, pour chanter tes louanges. Donc, vous êtes sur l'accord de mi. Le principe, c'est de rajouter le petit doigt, hop, sur la troisième corde, deuxième case. Et en rajoutant le petit doigt, vous enlevez l'index et le majeur. Et le majeur va se placer ici, sur la sixième corde, deuxième case. Et pensez à étouffer la cinquième corde avec la pulpe du doigt du majeur. Frôlez légèrement la cinquième corde pour qu'elle soit étouffée. Là, vous avez un fa dièse mineur. C'est un fa dièse mineur 11, précisément. Il est assez enrichi. Mais pour un fa dièse mineur, il passe très bien. Donc,
Mi, nous venons dans ta présence. On rajoute le petit doigt majeur. Chante tes louanges. Après, on a un accord de Si. À partir de ces deux doigts sur les cordes 3-4. D'ailleurs, là, vous avez un accord de La qu'on va jouer tout à l'heure. Mais à partir de ces deux doigts-là, vous les glissez de deux cases et vous rajoutez l'index ici. Pour chanter tes louanges. Donc Fa dièse mineur pour chanter tes louanges. On décale toutes deux cases et on place l'index ici. On revient sur le Fa dièse mineur et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. C'est intéressant là ce qui se passe, les quatre accords qui s'enchaînent. Donc on est sur notre accord de Si. Les deux doigts qui sont au milieu, quand on est sur les accords arrangés de la tonalité de Mi, le principe c'est qu'ils vont beaucoup glisser sur, dans les deux cordes. On a ici le La, le Si, le dièse mineur, le Mi. On peut avoir un Ré si besoin. Mais voilà, les deux doigts au milieu vont glisser. Et on va se placer pour notre La 7 majeur. Pour ce que tu as accompli. Donc La 7 majeur, normalement, il est comme ça. Ça, c'est vraiment l'accord basique. Un accord très jazzy. On va juste enlever le majeur. Donc on va le faire comme ça. Et le majeur, en fait, on va le mettre à la place de l'index. Donc La 7 majeur, pour ce chant, on va le faire comme ça. Comme on y reste qu'un temps dessus. De ce que tu as accompli. On y reste, ouais, un temps ou même pas. Donc on va faire comme ça. Et ça nous permet de tout glisser en case 4. Donc vous avez vu, là on est en case 5 et 6. Hop, hop. Donc comme notre Fa dièse mineur, mais deux cases plus haut, on a donc Sol dièse mineur. Fa dièse mineur et Mi. Donc les quatre accords là, La 7 majeur, Sol dièse mineur, Fa dièse mineur, Mi. C'est joli hein, cette descente là. Donc au niveau de la main droite, vous donnez un coup vers le bas à chaque fois. Regardez, ça fait... Et notre reconnaissance de ce que... 1, 2, 3, 4. De ce que tu as accompli. De ce que tu as accompli. De ce que tu as accompli. Et on conclut par cet accord de La basse Mi. Donc en fait, c'est un accord de La... Mais on libère la basse de Mi. Et en fait, on libère aussi les deux cordes tout en bas. Ça nous donne un La ADD2. Voilà. Un La avec une seconde. Donc, quand vous faites... Vous êtes sur votre accord de Mi, vous venez ici, en case 6 et 7. Et vous revenez sur votre Mi. Tu nous as donné ta vie. Donc, je vous refais cette partie. De ce que tu as... que tu as accompli. Entraînez-vous hein, pour cette descente, la conclusion avec la basse Mi. Et on recommence donc deuxième partie du couplet. Tu nous as donné ta vie. Là, on ne fait pas le La basse Mi pour arriver sur le refrain ou en fait sur le couplet. Je crois que j'ai inversé en fait. Nous venons dans ta présence, c'est le refrain. Et là, on arrive sur le couplet. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je dirais que c'est le couplet du coup ici. Tu es le créateur puissant. On a un Si basse Ré dièse. Alors, deux possibilités. Soit vous faites Tu es et vous placez un accord de Si sur un seul temps. Vous avez vu, vous faites un coup sur le Si, je mets le doigt ici pour étouffer la grosse corde, hein, parce que sur la corde Si, il faut bien jouer à partir de la cinquième corde, donc j'étouffe bien la grosse corde, c'est pour ça que je mets le majeur qui frôle la corde. Tu es le créateur puissant. Donc après, Do dièse mineur. Mais deuxième possibilité, comme on a un Si basse Ré dièse, le Ré dièse, il est intéressant à être entendu. Donc vous pouvez faire comme ça. De ce que tu as accompli.
placez votre Mi ici. C'est le même motif que le Si, mais en cases 7 et 9. Et ça vous permet de faire... On baisse l'index d'une case, on place le majeur ici, on enlève le petit doigt. Donc accord de Mi, si basse ré dièse il est comme ça. Comme c'est très bref, vous pouvez très bien faire Mi et juste baisser l'index. Si vous pouvez placer le majeur ici, enlever le petit doigt, c'est mieux, ça apporte une petite précision. Mais vous pouvez très bien faire. Et Do dièse mineur. Donc je vous refais cette partie. Nos cœurs passionnés de victoire. Tu es le créateur puissant. Do dièse mineur. Après, on a Sol dièse mineur 7. Vous pouvez soit faire cet accord qu'on a déjà vu. L'agneau est ressuscité. Ou vous pouvez faire comme ça. En fait, le sol dièse mineur, normalement, il est comme ça. On le fait sans barrer, vous enlevez votre doigt et vous le faites comme ça. Donc, si on enchaîne les deux, ça fait... Tu es le créateur. On inverse l'index et les deux doigts. Enfin, on inverse, vous avez compris, l'index en case 3 et l'annulaire et le petit doigt en case 4 et 5. La ressuscité. Ça donne un accord assez ouvert, alors... Là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Si vous n'appréciez pas cet accord, ben, faites celui-là. La ressuscité. Si vous êtes chaud, vous pouvez placer le barré, parce que le barré, il passe plutôt bien, je trouve. Tu es le créateur puissant. La ressuscité. Vous avez vu, donc, barré en case 4, que l'annulaire ici. Après, on a un accord de La. On va placer nos deux doigts ici, donc avec le petit doigt et l'annulaire, pour ensuite retomber facilement sur notre Mi. Hop, hop. Vous avez vu, l'annulaire ne bouge pas. Hop, hop, hop. Je vous refais cette partie en entier. Tu es le créateur puissant, ressuscité, toi seul. Vous avez vu, pour l'accord de La, plutôt que de le faire ici, je le fais ici. Ça nous permet d'enchaîner avec l'accord de Si sus. Donc, on a notre accord de La ici. Alors, soit vous accentuez bien la cinquième corde, ou alors vous placez l'index ici. Ça vous permet de jouer la grosse corde. Et comme après, on a notre Si sus et notre Si, ça nous permet de tout avancer de deux cases. Là, vous avez un accord de Si. Vous pouvez rajouter le petit doigt. Vous avez un Si sus. Si sus 4, précisément. Donc ça fait... Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Petit doigt, on l'enlève. Vous entendez ce qui se passe, hein? Ça va bien avec le chant. Je veux suivre tes pas. Au niveau de la rythmique, j'utilise la rythmique que je fais systématiquement, c'est-à-dire basse, basse, bas, bas, haut. Quand je dis basse, c'est vraiment, je joue la basse de chaque accord, donc mi, mi, ba, ba, mi, mi, ba, ba, fa dièse, si. Si vous avez une bonne rythmique pour un chant à 4 temps, ben, utilisez cette rythmique. Voilà, vu que c'est un chant assez basique au niveau du rythme, il est à 4 temps. Sauf pour cette partie-là, hein, où vous donnez un coup sur chaque... sur les grosses cordes surtout. Donc il y a
des petits accords un petit peu de transition qu'il faut travailler, mais voilà pour la rythmique. Voilà pour ce chant, nous venons dans ta présence. J'espère que c'est clair pour vous et que vous aurez appris peut-être de nouveaux accords pour la tonalité de mi et que vous réussirez à maîtriser tous ces accords qui sont vraiment très jolis. Je vous rappelle, si vous souhaitez soutenir la production des vidéos Guitar Jump, rendez-vous sur la page Tipeee. Je vous explique tout le principe, comment participer, et vous avez également des contreparties super intéressantes comme notamment ce Mediator Guitar Jump. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.